Hey, c'est tout le monde, c'est Tenma62, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part, ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un objectif minière. Il est 8h30 du matin, je vous filme déjà ça. Pourquoi? Car j'ai trouvé une magnifique astuce Akama à faire aujourd'hui ou dans les ou aux autres jours, du moment qu'il y a du bénéf. On a du bénéf. Alors, simplement, l'almanach d'aujourd'hui, c'est des baves de champagnon. Donc, alors, l'almanach, sinon, c'est... Les gains d'expérience sont augmentés de 100% dans la zone de la caverne de la... sont augmentés de 100% dans la zone de la caverne des fungus. Et qu'est-ce qu'il nous faut? C'est une bave à champignons. Donc top, on en prend une. On prend une potion de bibliothèque. Donc j'ai déjà fait sur tous mes personnages. Hein, donc ça me fait déjà... Donc on prend une petite calculatrice. Ça fait déjà 4 x 38 000. Car la menace nous donne 38 000 kama. Ça nous fait déjà 152 000. Rien qu'avec mes 4 personnages principaux. Vous voyez, c'est quand même déjà un petit peu énorme. Et sur le reste, j'en ai encore 14, donc ça fait 18 x 38 000. Et ça nous fait un total de 684 000 kama. Et je verrai pour encore continuer, car c'est vraiment une très très belle astuce. Donc je vais juste prendre ça. Et ça, je vais laisser là-dedans. Alors, on a pris une potion du biotemple. Oui, donc c'est parti. Hop. Donc tac, on parle. Donc il y a déjà mes persos. Hein. Donc là, je suis avec Brainstorm. J'ai encore deux autres personnages sur son compte là. Et j'ai encore des personnages sur les autres comptes. Donc voilà, donc au pire des cas, je vais même l'inviter dans la guilde pour faire XP la guilde. Et ensuite, par la suite, je le virerai. Donc ça fait hop, je vais faire ça. Hop, 90%. Voilà. Almanax, on va le faire en vitesse. Hop, bon, je lag un petit peu, mais je sais pas trop pourquoi. J'ai redémarré ma box, ça allait mieux et ça rebug. Je sais pas si c'est mon téléphone qui fait des mises à jour, on va regarder ça. Non, c'est même pas lui. Il est même pas connecté à Internet. Bon, je sais pas. Alors, tac. Parce que j'ai quand même... Oh là là. Slash ping. J'ai 258 ms et ça m'énerve. Alors, tac. Pourtant, juste avant, je buguais pas. Bizarre. Hop, on va le faire. On a 38 000 kama. On va les donner au croc. Tac. Donc vous voyez, ça peut vous faire un abonnement, et je crois que je vais encore continuer, jusqu'à remonter tous les prix. Donc vous voyez, 37 000 kama, bon, pour 1000 kama. On va donner ça au cra, hop, ça fait tac, non, Brainstorm, hop, votre guise a gagné 14 000 points d'XP, vous voyez, les kama. Et voilà, on va faire ça je vais faire à tout pendant plein, comment dire, bah je vais faire toutes mes champignons et je vais en refaire encore. Donc, on se met une calculatrice, 240 000, 1, 2, 3, moins 37 000. Voilà, on a commencé à 200 000, on est déjà à 240 000, rien qu'avec 1. On va dire ça comme ça, on arrondit. Alors, on va échanger de personnage. Hop. On va prendre Tempête Sanguin. J'espère qu'il est déjà devant la banque. Bon, je vais vous faire une ellipse et on va se retrouver à tout de suite avec les 14 fêtes déjà. Ok, il y a un carnam, ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon bref, je vous dis à tout de suite, on fait toutes les graines de champignons avec tous les personnages et on se retrouve à tout de suite. Voilà, j'ai pas tout fait, donc j'étais sur le compte à légende, donc j'ai fait tous ces personnages en même temps. Donc j'en avais 18 de moi et j'en ai eu 3 sur légende, donc il m'en reste... tout simplement 3. Je vais aller voir en HDV combien ça coûte, si je les vends, ou si je refais 3 personnages, on verra la rentabilité, voir si je recrée des personnages pour leur refaire encore, et voir acheter les ressources en HDV. C'est vraiment une très belle technique, donc j'ai fait un petit calcul, voilà, donc c'est si je faisais les 21, donc j'avais 780 000 kama, 780 000 kama, c'est presque un abonnement, hein. Donc vous voyez, si on continue, en plus j'ai fait tous mes personnages, donc alors sur la Yoped j'avais 1, 2, 3, 4 personnages, donc sur le compte ici, sur mon compte principal j'avais 4 personnages, sur mon deuxième compte j'avais 4 personnages, sur mon troisième compte j'avais 4 personnages, et sur mon quatrième compte j'avais 5 personnages, donc voilà, ça, bah ça a été mieux, donc si on calcule, attendez... attendez, c'est comme ça, je suis en train de calculer. Ça fait 13. Donc plus les comptes à légende. Légende, il y a...
Légende, il doit y avoir 4 personnes. Non, c'est bizarre. Voilà, donc il m'en reste 3. Légende, il y avait 5 personnages, je crois. Oui, j'en ai fait 5. Donc ça fait tout simplement 37, 163 x 18. Ça m'a fait 668 000 Kama. Donc voilà, j'ai pas fait de... J'ai pas regardé j'avais combien au début parce que tout ce qu'il y avait sur le Kra, j'ai mis sur la Yopette. Voilà, donc après c'est les autres persos, j'ai pas mis ce qu'il y avait sur la Nini et le Panda, mais il y avait que le leur. Donc voilà, donc en même temps j'ai fait des ventes, donc attendez, donc pas aujourd'hui. Vente, petit dossier, vente, donc ça c'est le foot, tac. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vendu? Voilà, c'est un peu écran, voilà. La Bill Réole, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, elle avait vendu à 550 000. L'Alliance Gourson qui était partie quand je me suis connecté le matin. Et voilà, j'avais déjà vendu la note du Caniblo aussi. Ouais, tout est déjà parti, donc j'ai déjà plus rien en HDV. Donc j'ai perdu des Kama, pourquoi? J'ai dû acheter le stuff de la Yopette pour le niveau 200, j'étais déjà à 80%. Je suis en train de monter très vite, donc voilà, bottes strigies, des ceintures, voilà, tout ça, tout ça. Il me manque que les Tagiri et le Dofusocre, mais bon, le Dofusocre, je vais pas vous le cacher. Hop, j'ai déjà étape 19. Voilà, donc je commence à me faire quelques donjons. Là, il me faut un Eka Flip pour le Peki Peki. Sintercell, faut que je teste. Worker, faut que je le fasse. Je pense que je le gère. Touch Para, que je le gère, mais il faut que je le fasse. Et je l'ai Royal Citron. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cet épisode. Et franchement, une très belle astuce. Je vais encore continuer, je pense. Parce que j'ai encore toute la soirée. Donc peut-être que ce soir, je vais sûrement XP. Je dois up 200. Sachant que dans 2 semaines, je suis en vacances. Parce que dans 2 semaines, j'aurai déjà fait mon brevet. Le brevet, c'est le 25-26, donc je commence à réviser tout doucement, donc pour pas vous le cacher, voilà, j'ai le brevet, c'est sur, faut avoir 180 points pour l'avoir, j'ai déjà rien, sans aucune note, rien qu'avec ma moyenne, j'ai 161,5, donc j'ai 16,15 de moyenne générale de toute l'année, donc là, rien qu'avec Histoire des Arts, j'ai mon brevet, et moi, ce que je vis, c'est juste la mention, voilà, donc déjà, je sais que j'ai bien, sûr j'ai bien, mais je peux pourquoi pas viser très bien, ce serait toujours un objectif de plus. Voilà, donc en espérant que cet épisode vous aura plu, il n'aura pas duré très longtemps, j'en suis désolé, mais bon, c'est une très belle astuce. Je voulais vous upload ça dès la matinée, donc pourquoi dès la matinée? Car simplement, bah voilà, vous avez le temps de le faire toute la journée, et si vous n'êtes pas là ce soir, bah vous pouvez le faire dans l'après-midi, parce que si je vous upload ça à 20h, bah ça va rien faire, parce que vous avez 4h, et majoritairement, les gens arrêtent de jouer vers entre 21h et 23h. Pour ma part, moi j'arrête à 23h, mais bon voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager au max. C'était Tenma62, allez, ciao tout le monde!